Bonjour, bienvenue à ce webinaire présenté par le Regroupement des géographes du Québec qui s'intitule Les géographes et le marché du travail. Dans un premier temps, Jean Hébert présentera le contexte de travail des géographes chez Hydro-Québec. Par la suite, Noémie Varin-Lachapelle fera de même pour le contexte de travail des géographes chez Solio Groupe Coopératif. Bonne écoute. Aujourd'hui, je vais vous présenter la place importante que les géographes occupent sur le marché du travail en utilisant l'exemple d'Hydro-Québec, où j'ai fait ma carrière, où les géographes sont très, très présents. Donc, on va constater par cette présentation que le géographe, c'est un être exceptionnel, hein, rien de moins. Il est en mesure de faire beaucoup de choses. Il est essentiel au bon fonctionnement d'une entreprise aussi. C'est ce qu'on va voir. Puis, sa pertinence et son apport aussi en entreprise sont en voie de reconnaissance aussi. Donc, on est entre nous, là, on peut ne pas faire office de modestie et se dire, ben, la géographie, c'est une belle discipline, c'est important et on est fier de la pratiquer. Donc, le contenu de la présentation, c'est le suivant. Donc, Hydro-Québec, rapidement, là, on verra que sa présence est significative sur le territoire et raison de plus pour bien analyser les impacts que ces équipements peuvent causer. Les géographes ont un rôle important dans ce domaine. Donc, la présence remarquée des géographes et au Québec, aussi tout le domaine de la géomatique en soutien à l'analyse et à la diffusion des données. Les rôles du géographe dans l'organisation, il y a différents rôles, on le verra. Les apports de la discipline aussi à la culture de l'entreprise. Et une conclusion aussi sur le géographe, un professionnel. Donc, Hydro-Québec, on le voit, c'est une entreprise qui est très présente sur le territoire et qui, par ses installations, là, ses barrages centrales, lignes électriques, postes, occupe une place importante dans le territoire et cause toutes sortes et susceptible de causer toutes sortes d'impacts qu'il est important de bien saisir. Donc, on voit que l'empreinte sur le territoire québécois est significative. On voit ici une photo typique d'une centrale hydroélectrique et de son réservoir et d'une ligne à 735 kV aussi, là, les grandes lignes de transport d'Hydro-Québec qui acheminent l'électricité depuis la baie James. Donc, à Hydro-Québec, le géographe occupe une place variée dans les grands domaines, là, les sciences biophysiques, les sciences humaines ou les sciences de la gestion et géomatique. On voit que le géographe est présent. On voit que les géomorphologues, par exemple, interviennent en sciences biophysiques. En sciences humaines, les géographes peuvent être présents en aménagement ou en urbanisme aussi, ou sous le vocable de géographe, là. Et en sciences de la gestion, c'est la même chose avec la cartographie, modélisation, télédétection. Les géographes sont très présents. Donc, dans le cadre d'une équipe multidisciplinaire comme celle qui se trouve à Hydro-Québec en matière d'environnement, bien, les géographes sont présents à différents types. Ils ont été historiquement assez présents. Ici, on a quelques chiffres qui datent de 2018, mais qui n'ont pas vraiment changé. On voit que les géographes, sur 170 personnes, par exemple, en environnement, il y en a 21. Et donc, en pourcentage, en environnement, c'est autour de 13-14 % et en évaluation environnementale spécifiquement, c'est presque 17 %. Donc, pour une seule discipline, c'est quand même beaucoup de gens qui la représentent. L'autre discipline qui est importante à Hydro-Québec, c'est la biologie aussi. Dans un contexte multidisciplinaire, là, ce sont ces deux disciplines-là qui ressortent comme étant les plus prépondérantes. Et les géographes, notamment, là, font toutes sortes d'activités dans l'entreprise. Celle qui m'intéresse le plus, là, pour laquelle j'ai œuvré dans ma carrière, c'est dans le domaine de l'évaluation environnementale. Ici, on a rapidement la démarche environnementale typique d'un projet, et on pourra voir comment le géographe, à travers ça, œuvre. Donc, il est bien placé pour décrire le milieu d'insertion d'un nouveau projet. Première activité de base. Par la suite, il va analyser les contraintes ou les sensibilités que ce milieu-là peut avoir pour implanter de nouveaux projets. Il va élaborer des variantes de projet aussi. Il va choisir la variante la préférable, la variante de moindre impact. Il va analyser les impacts de cette variante-là. Il va proposer des mesures d'atténuation. Il va faire un bilan. Tout ça en lien avec une démarche de participation du public aussi, où le géographe qui participe à cette activité-là est aussi
en lien avec les autorités gouvernementales, en lien avec la population. On va le voir. Donc, c'est quelqu'un qui doit aussi avoir des qualités, non seulement pour bien comprendre le milieu où il veut insérer un nouveau projet, mais aussi des qualités en communication aussi avec les différentes parties prenantes. Ici, on a un exemple à l'interne de ce qu'un chargé de projet en environnement, qui sont souvent des géographes, a à faire aussi. Donc, il est en lien avec des cartographes, avec des spécialistes en milieu humain, avec des ingénieurs forestiers, des consultants, etc. Donc, vous voyez la panoplie de spécialistes qui sont présents dans une équipe de projet et que le géographe a à coordonner pour mener à bien son projet. Même chose aussi à l'externe de l'entreprise, donc avec les élus fédéraux, provinciaux, les municipalités, les différents ministères, les MRC, etc., la population. Donc, le géographe est aussi en lien avec tous ces gens-là. Donc, à Hydro-Québec, la géographie, c'est aussi la géomatique. Donc, Hydro-Québec possède un vaste patrimoine de données géographiques. Il y a 120 collections de données à Hydro qui sont disponibles pour réaliser des études environnementales. Dans le cadre des études environnementales, vous voyez ici bon, l'exemple des différentes collections de cartes. Il y en a beaucoup d'autres. Dans le cadre de nos études environnementales, on génère des cartes d'inventaire des milieux naturels et humains. Ici, vous avez un exemple de carte d'inventaire pour un projet de ligne à Hydro-Québec. Donc, c'est des données d'inventaire qui sont reproduites sur carte et c'est un outil essentiel à notre travail. Donc, il y a beaucoup de géographes sont impliqués carrément à réaliser des cartes. On fait des cartes aussi pour l'inventaire du paysage, donc une autre dimension de l'environnement qui est étudiée dans le cadre des projets d'hydro. On fait aussi des simulations visuelles pour l'implantation des nouveaux projets, si vous en avez un exemple. C'est un, bon, qui date un peu, mais c'est un domaine qui s'est beaucoup sophistiqué ces dernières années. Il y a aussi d'autres cartes encore plus précises à une autre échelle aussi où on va les utiliser dans le cadre de guides de surveillance environnementale lorsque vient le temps d'appliquer des mesures d'atténuation sur le terrain pour, disons, atténuer les impacts. Et là, on sait exactement ce qu'on a à faire, à quel endroit en termes de mesures. Donc, c'est un outil très intéressant pour les équipes de chantier, par exemple. Hydro-Québec a aussi été actif à l'international, beaucoup à une certaine époque, moins maintenant. Donc, on voit que le Québec étant au centre du monde, c'est toujours la blague que je fais avec une carte, on peut toujours aussi, comme avec les chiffres, dire un peu ce qu'on veut, mais le Québec, donc, a pu rayonner à l'international, Hydro spécifiquement, surtout en Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, donc en francophonie pendant de nombreuses années. Et là aussi, les géographes étaient très présents dans ce type de projet-là. J'avais ici quelques exemples de types de projets qu'on menait, puis d'endroits où ils ont été faits. Donc, on a fait des évaluations environnementales de projets d'équipement. On a fait du renforcement institutionnel, c'est-à-dire aider d'autres compagnies d'électricité, par exemple, à améliorer leur performance en matière d'environnement. Donc, ça comprenait des activités de gestion de formation, par exemple. On a fait des activités de formation aussi spécifiquement aussi sur toutes sortes de thématiques reliées à l'environnement. Puis on a aussi fait des activités d'acquisition d'actifs à l'époque où Hydro-Québec cherchait à acheter des entreprises à l'étranger. Eh bien, les gens d'environnement avaient un rôle de conseil à savoir s'il était pertinent ou non de faire cet achat du point de vue environnemental. Donc, on voit que ça peut être très varié en termes de type de projet, en termes de lieu où on a à travailler. Donc, le géographe est bien placé ici aussi pour bien faire les projets. Donc, à Hydro-Québec, le géographe a différents rôles. Ça vaut aussi chez les consultants avec qui on travaille beaucoup et également dans les administrations publiques par extension aussi, dans les ministères ou les municipalités, les MRC. Il y a ce type de poste-là également. Donc, à Hydro-Québec, un géographe peut être conseiller en environnement, c'est-à-dire être spécialisé sur un thème particulier, comme en aménagement du territoire, en patrimoine, par exemple. Il peut être chargé de projet environnement, donc il est responsable du projet, il a un rôle de coordonnateur, d'intégrateur à ce moment-là. Il va intégrer les apports de différents collaborateurs au projet. Il y a des géomorphologues aussi qui interviennent dans les équipes. Et le géomorphologue est aussi en lien avec les ingénieurs de projet, par exemple, pour indiquer dans quelle mesure
les sols, les types de sols sont appropriés pour faire tel ou tel type de projet. Il y a des spécialistes en gestion de données spatiales, des spécialistes en système d'information géographique aussi. Un géographe peut être chercheur sur des thématiques qui méritent une attention particulière. Il peut être communicateur aussi ou formateur. Donc, c'est toutes sortes de rôles que le géographe est en mesure de réaliser au Québec. Là. Donc, ici, on a les atouts du géographe. Pour une entreprise comme Hydro, quels peuvent être les atouts du géographe? C'est un généraliste polyvalent. Donc, c'est considéré ici comme un atout, même si pendant longtemps, on se disait on était un peu, timide de se qualifier de la sorte. Donc, un généraliste polyvalent qui a une culture géographique et des outils méthodologiques de connaissance du territoire. Donc, il est vraiment bien placé pour nous permettre de mieux connaître le territoire. Il a une grande maîtrise des outils géomatiques dans la recherche, l'analyse, le traitement, la synthèse ou la diffusion de ces outils-là. Il est coordonnateur de contributions de professionnels variés. Il est intégrateur d'informations de sources multidisciplinaires. Donc, il est en mesure de comprendre les apports des autres disciplines et de les coordonner et de les intégrer aussi dans le cadre de son travail. Il est communicateur auprès des gestionnaires du territoire et de la population aussi. Donc, en fait, le géographe, il comprend bien l'organisation spatiale, il est conscient des enjeux des relations homme-nature, il analyse l'espace à de multiples échelles, donc il va chercher l'information dont il a besoin aux différentes échelles. Il propose des pistes de solutions et fait des recommandations. Puis, ultimement, il cherche à intervenir harmonieusement sur le territoire. L'entreprise aussi a reconnu le rôle du géographe aussi, puis ça fait partie de la culture de l'entreprise à Hydro dans le domaine de l'environnement. Donc, la force que les géographes ont pour permettre de mieux connaître les territoires. Donc, la culture géographique, elle est importante dans l'entreprise. La rigueur méthodologique qu'il a dans la collecte et l'analyse des données. Il est devenu un spécialiste de l'aménagement du territoire et de l'évaluation environnementale. Il a une maîtrise des outils géomatiques. Il est bon en gestion de projet aussi là, pour intégrer des informations diverses et gérer un projet en matière de temps et de budget. Il est appelé à faire de la communication orale et écrite également. Il est capable d'intervenir dans des contextes d'intervention multiples. Et il fait preuve d'autonomie, de leadership, de créativité et de polyvalence. Donc, c'est des qualités vraiment qui reviennent fréquemment. Donc, la géographie, les géographes nourrissent la culture de l'entreprise. Et là, il y a des recoupements avec ce que je disais, mais c'est une autre façon de le présenter. On affirme l'importance, la géographie affirme l'importance de la connaissance des milieux de vie avant toute intervention. Et ça, c'est vraiment dans la culture de bien des entreprises maintenant, qu'il est important de connaître les milieux de vie avant de chercher à implanter des projets. Le géographe propose des outils méthodologiques aussi de compréhension du territoire, de gestion de l'environnement. Il va analyser le territoire par réduction successive à des échelles diverses. Il va stimuler les échanges multidisciplinaires. Il va gérer des bases de données géospatiales en utilisant les sigles à toutes les étapes. Donc, il contribue à la réalisation du meilleur projet. Et c'est l'objectif ultime. Donc, il y a des tendances favorables et défavorables aux géographes hydro-québécois. Donc, il est appelé à jouer un rôle important et à continuer à jouer son rôle important dans le contexte du renouvellement des grands équipements collectifs à Hydro, comme les lignes, les postes, les réfections de centrales aussi, j'aurais pu dire. Donc, surtout dans le contexte du sud du Québec où les problématiques d'intégration sont plus complexes, là, parce que le territoire est aménagé, c'est là que la population habite, il est particulièrement reconnu pour être en mesure de bien d'insérer de nouveaux projets dans des milieux plus complexes. Il est en mesure aussi de maîtriser de gros volumes de données géospatiales et il est aussi bien placé pour développer des outils
signes d'analyse et de représentation du territoire plus performants, surtout en matière d'impact visuel aussi, où ça s'est beaucoup amélioré. Par ailleurs, ce qui joue un peu contre la présence des géographes, puis d'une certaine façon, les géographes, leur nombre a légèrement diminué à Hydro ces dernières années. C'est parce que le gouvernement a des préoccupations particulières qui sont ressorties un peu plus concernant le milieu naturel et les calculs de compensation financière. Donc, c'était dans sa réglementation, toute la question de la protection des milieux humides, par exemple, qui a fait en sorte que les biologistes ont pris une importance plus importante, plus significative que les géographes depuis quelques années. Et aussi le phénomène qu'il y a de plus en plus de rivalité entre les savoirs scientifiques, incluant les savoirs géographiques et les citoyens. Donc, une montée de l'influence des recoupements citoyens, des médias sociaux, qui fait en sorte que les conseillers en participation publique occupent une place plus importante au détriment de l'analyse scientifique des enjeux humains là, qui est fait par les géographes aussi. Donc, il y a comme un équilibre à tenter d'obtenir, là, parce que les géographes sont bien placés aussi, ont une expertise pour analyser les impacts sociaux de des activités. Et ils peuvent marier cette analyse-là avec les informations qui sont fournies par les citoyens aussi, qui connaissent bien leur milieu de vie. Donc, le géographe, dans le marché du travail, a occupé une place de plus en plus importante ces dernières décennies. Bon, traditionnellement, là, il était campé un peu à la sphère de l'enseignement, mais avec le renforcement du rôle de l'État, avec l'aménagement du territoire, par exemple, l'évaluation environnementale, le développement régional, etc., le géographe a pris sa place au sein de l'appareil étatique et dans le secteur privé aussi, du côté des consultants, et dans le domaine de la coopération et du développement international, qui est aussi un autre créneau qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Donc, le géographe, il est vraiment présent partout. Là, on a vu l'exemple d'Hydro-Québec, par exemple, où son rôle est varié, mais il est aussi, il joue des rôles de même nature dans différents milieux. Donc, si vous voulez en savoir plus aussi, en terminant, j'ai mis ici un poster que le Ressources naturelles Canada a publié il y a quelques temps, qui vous avez les coordonnées du site web où vous pouvez retrouver ça, ou qui présente différentes possibilités de carrière qui sont associées à la géographie. Et il y a aussi l'Association canadienne des géographes sur son site web qui présente plusieurs profils de géographes qui travaillent dans différents milieux à travers le Canada. Et il y a aussi l'initiative de l'Université Laval aussi, du département de géographie, qui présente aussi sur son site web, vous avez les coordonnées, 50 visages de la géographie, donc des diplômés de l'Université Laval qui se sont trouvés des postes là, du travail dans différents domaines là, et qui ont mis à profit leurs compétences en géographie. Donc, je conclurai ma présentation là-dessus. J'espère que ça vous a plu. On pourra garder un moment pour en discuter là, à la fin de la présentation de Noémie. Donc, je vous remercie. Donc, merci Jean pour cette première partie de la présentation. Donc, maintenant, c'est Noémie qui va poursuivre pour ce deuxième volet. Donc, et après, on ira là, vers une discussion sur justement là, les géographes et le monde du travail sur la base là, de ces deux cas de figure qui auront été présentés. Donc, je ferme ma caméra, Jean fera de même aussi et on va laisser là, Noémie faire sa présentation et faire le partage d'écran. Donc, Noémie. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Jean. C'était toujours très intéressant. Merci, Chantal. Écoutez, moi, j'avais une vidéo aussi, mais que je ne suis pas capable de vous présenter à l'écran. Donc, je vais vous l'envoyer dans le chat, dans le fond, après ma présentation. Vous me direz si vous voyez mon écran. Oui. Parfait. Ça doit fonctionner. Attendez un petit peu. Parfait, parfait. Bon, ben écoutez, moi, c'est Noémie Varin-Lachapelle. Je suis directrice de l'environnement chez Solio Groupe Coopératif, anciennement la Coop Fédérée. C'est une entreprise qui est
qui va être centenaire l'année prochaine. Donc, c'est le regroupement des coopératives agricoles au Québec. Donc, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être avec vous là, pour présenter au regroupement des géographes du Québec la pertinence de la géographie au sein d'une grande entreprise. Moi, j'ai étudié en géographie au baccalauréat en 2003, donc de 2003 à 2007. J'ai ensuite poursuivi des études supérieures à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM. J'ai fait le bac aussi à l'UQAM et j'ai fait un micro-programme en vérification environnementale à l'Université de Sherbrooke, là, au Centre de perfectionnement de l'environnement de l'UDS. Donc, c'est à peu près ça pour mon parcours. Moi, je suis une grande passionnée là, de l'étude de l'humain dans son espace, là, exactement à quoi correspond la géographie. J'ai quand même beaucoup voyagé, ce qui m'a permis de mettre en pratique un peu ce qu'on avait appris dans les cours pour développer aussi différentes expériences là, au niveau justement de l'analyse spatiale, de comprendre comment l'humain peut influencer son environnement, tout ça. Fait que c'est vraiment des sujets là, qui m'intéressent beaucoup. Puis je viens ici vous parler en fait du rôle de la géographie au sein d'une grande entreprise comme celle de Solio Group Coopérative. En fait, c'est la plus grande coopérative agricole canadienne aux racines québécoises. Donc, vous voyez le chiffre d'affaires, là, c'est pratiquement 8 millions de dollars cette année, 15 000 emplois directs, 3 divisions fortes et plusieurs partenariats parce que dans le fond, nous, on est une fédération où des coopératives sont membres de notre réseau. Donc, c'est la plus importante organisation au Québec, catégorie agriculture, deuxième plus grande organisation au Canada, 16e plus grand employeur au Québec. Donc, vous comprenez que c'est vraiment une entreprise là, de grande envergure. C'est un secret bien gardé aussi parce que dans les dernières années, on entend de plus en plus parler de Solio Groupe Coopératif, anciennement la Coop Fédérée, mais avant, c'était vraiment une entreprise qu'on considérait plus régionale parce que des coopératives implantées en région, à Montréal, on en entendait moins parler, mais là, de plus en plus, la haute direction, disons, de l'entreprise prend de l'espace dans les médias publics. Donc, vous pouvez voir ici, c'est trois divisions actives et complémentaires à l'échelle du pays. Donc, Solio Groupe Coopératif, Chapeau, Solio Agriculture, la division agricole, Olimel, que vous devez connaître, là, qui correspond à la transformation des viandes, et le groupe BMR, là, tout ce qui concerne le commerce de détail. On est implanté dans la plupart des provinces canadiennes, sauf la Colombie-Britannique, puis évidemment, on n'est pas dans les territoires là, du Nord ni au Yukon, parce qu'il se passe moins d'agriculture à ce niveau-là, mais nos principales places d'affaires sont situées au Québec et en Ontario. Bon, une période de forte croissance, comme vous pouvez le voir ici, là, en 2020, près de 8 millions de chiffres d'affaires. Puisque c'est une coopérative, par contre, c'est que nos membres sont nos propriétaires. Donc, il y a 52 coopératives et sections pour 120 000 membres. Donc, ce sont des coopératives agricoles, principalement. Puis, les membres producteurs agricoles proviennent, des maritimes de l'Ontario, du Québec, principalement du Québec et bientôt même de l'Ouest canadien. En ce moment, au niveau des 52 coopératives, là, depuis la dernière année, il y a eu plusieurs fusions de coopératives. On le sait, le monde agricole est soumis là, à de fortes pressions au niveau de la mondialisation. Donc, il y a plein de coopératives qui se sont fusionnées entre elles pour devenir de plus grandes entreprises et pouvoir fournir des services là, de qualité aux producteurs, là, comme d'autres grandes entreprises à profit pour le faire. Mais nous, on est une coopérative. Donc, ce qui m'amène à vous parler, en fait, du service de l'environnement au sein de cette grande entreprise qui est Solio Groupe Coopératif. Comparativement à Hydro-Québec, chez Solio Groupe, on est une équipe de 9 professionnels qui est composée, j'ai fait une petite erreur ici, là, excusez-moi, il y a un S, entre autres de géographes, on est 4 géographes, géologues, chimistes, ingénieurs, et nous sommes basés au Québec et en Ontario. Donc, mon équipe, une partie ici à Montréal, puis une partie à Mississauga aussi. Notre rôle, en fait, au service de l'environnement, c'est de s'assurer que les installations, activités et produits de Solio Groupe Coopératif sont en conformité avec la législation, réglementation et bonnes pratiques en vigueur, ce qui permet aussi le développement durable. Donc, vous voyez que nous, on doit, en fait, nos rôles et mandats, c'est de s'assurer vraiment de répondre à la politique environnementale, bon, ici de la COA fédérée, mais qui a été changée pour Solio Groupe Coopératif. Donc, on parle de conformité environnementale, vérification diligente, gestion des urgences, formation, relations avec les citoyens, ressources et outils en gestion environnementale. Ce qui m'amène à vous dire que vous pouvez comprendre juste rapidement, on va pouvoir faire le tour plus de façon plus détaillée par la suite, mais que le géographe a plusieurs apports là, déjà là, même pour répondre au rôle du service de l'environnement dans l'entreprise.
rapidement, ben, on demande, tu sais, si on veut faire des audits de conformité environnementale, ça prend un sens de l'observation aiguisée, une compréhension des dynamiques spatiales pour identifier les problématiques environnementales liées au monde de l'agriculture, coordination et gestion de plusieurs types de spécialistes, parce que lorsqu'on fait de la caractérisation environnementale, par exemple, ben, ça prend plusieurs, il y a plusieurs disciplines, plusieurs types de spécialistes qui sont impliqués dans ces projets-là. On met beaucoup en place des solutions, des mesures d'atténuation afin de protéger l'environnement, minimiser les risques. Ça, ce qui engendre, dans le fond, qu'il faut avoir une bonne compréhension de l'humain dans son environnement. Un bon géographe aussi, il permet d'identifier des points de réception sensibles, ce qui est vraiment important aussi au sein du service d'environnement de chez Solio Groupe Coopératif. Puis aussi, ben, ça, on doit maîtriser les outils de gestion du territoire si on veut aussi répondre à la politique environnementale. Je vais juste vous présenter quelques mandats là, qui nous sont octroyés en tant que conseiller en environnement là, au sein de l'entreprise. En fait, on a le mandat de faire des vérifications de conformité environnementale ou des audits de conformité environnementale afin de s'assurer que les installations et les différentes opérations et activités sont en conformité avec la réglementation en vigueur, la législation et autres bonnes pratiques. Donc, on fait les installations, on fait des audits sur à peu près 250 installations là, au Canada. On les fait une fois ou trois à cinq ans en fonction du risque lié à ces installations-là. Fait que vous comprenez déjà que le sens de l'observation, c'est très important. Puis ça, c'est déjà une qualité qu'un bon géographe détient. Aussi, on s'occupe de réaliser des plans d'urgence environnementaux. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment tous des outils qui sont liés à la géomatique là, afin de pouvoir, par exemple, définir le risque potentiel liés à des accidents de type industriel qui pourraient survenir parce qu'on entrepose certains produits visés par le règlement sur les urgences environnementales du gouvernement fédéral. Donc ça, c'est quelque chose d'autre qu'on fait. On supervise ces études-là, puis on engage des firmes de consultants pour nous aider à ce niveau-là. Mais là, vous comprenez que toute la notion de systémique et la notion aussi de tout ce qui est outils de gestion spatiale, là, c'est super important. On est aussi amené à gérer des déversements accidentels de contaminants dans l'environnement. Donc, évidemment, on doit faire procéder à la caractérisation des eaux, des sols. On doit comprendre aussi au niveau de la gestion territoriale comment peuvent migrer des contaminations de sols et d'eau souterraines. Est-ce que ça peut affecter les voisins d'autres milieux sensibles? Fait que ça aussi, là, c'est vraiment des qualités qu'on cherche chez un bon géographe. On élabore aussi des plans d'action pour assurer la conformité des installations. Ici, c'est un exemple de l'installation d'un bassin de captation puis de traitement des eaux usées, des eaux de ruissellement contaminées aux fertilisants. Donc, ici aussi, c'est toute une question de localisation et de géographie, cartographie, géomatique là, qui a été utilisée pour être en mesure de définir l'emplacement le plus propice, dans le fond, à ce système-là et aussi justement pour collecter les eaux, pouvoir les traiter et les renvoyer dans l'environnement par la suite. On procède aussi à des évaluations environnementales de sites, là, phase 1 jusqu'à la réhabilitation. Ces phase 1-là, il y en a peut-être qui sont familiers avec ça, mais c'est vraiment des mandats qui sont mis en place pour minimiser les risques financiers liés à une transaction. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte de multiples informations, à savoir avec les cartes de dépôt meubles, les cartes pédologiques, cartes topographiques, photos aériennes, les systèmes d'information hydrogéologiques, la CPTAQ, la Commission de la protection des territoires agricoles, la forêt ouverte, afin de se donner vraiment une idée de quel peut être le passif environnemental d'un site que l'entreprise désire acquérir ou des fois désire vendre aussi. Puis ça peut entraîner des risques financiers pour l'entreprise. Donc, on collecte plein d'informations pour en tirer des conclusions. Ce qui amène souvent à superviser des évaluations environnementales de site phase 2, qu'on appelle caractérisation environnementale, pour établir la qualité environnementale des eaux souterraines puis des sols en vertu des critères applicables. Vous comprenez aussi que c'est vraiment qu'on veut absolument que les conseillers en environnement aient quand même de bonnes connaissances au niveau de la géographie physique là, pour être en mesure de bien comprendre ce qui se passe sur un terrain puis quels peuvent être les impacts sur l'environnement. Ensuite de ça, on procède ou on supervise aussi des travaux de réhabilitation des terrains. Donc, quand on s'aperçoit que c'est contaminé, bien, on doit vraiment
On supervise en fait toute la réhabilitation des terrains contaminés. Vous le voyez ici, le type de carte là, ou le type de plan en fait avec lesquels on doit conjuguer là, dans ce type de mandat-là. Donc, ça nous permet vraiment de voir à quelle profondeur se situent les contaminations, vers où l'eau souterraine migre. Donc, oui, c'est ça, vers où l'eau souterraine coule, donc vers où la contamination peut migrer, ce qui nous permet après ça d'établir des zones de sol et d'eau potentiellement contaminée qu'on doit décontaminer. Donc, ça aussi, là, les atouts de l'apport d'un géographe est vraiment très pertinent pour ce type de mandat-là. Les autres mandats du service de l'environnement au sein de l'entreprise, implantation du système de gestion de l'environnement, projet inventaire gaz à effet de serre bilindrique, on fait beaucoup de formations. On assure aussi une veille légale là, pour être à l'affût des changements réglementaires et législatifs. On a mis sur pied aussi un projet de gestion des matières résiduelles puis d'implantation de points de collecte, plein d'autres types de projets d'éco-responsabilité et toutes autres tâches connexes. Donc, ici, je vous présente, on est aussi amené à collaborer, mon équipe, en fait, et les géographes qui y travaillent, à plusieurs projets majeurs là, pour l'entreprise, dont celui la construction du terminal maritime d'exportation de grains situé à Lens-au-Foulon à Québec. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça a quand même fait les manchettes quelques fois là, depuis sa mise en opération à la fin 2020. Donc, c'est la première année d'exploitation du terminal d'exportation de grains qui va permettre, dans le fond, aux producteurs agricoles du Québec d'amener leur récolte de grains dans ce centre-là pour ensuite pouvoir l'exporter à l'international et avoir accès à des marchés le plus avantageux au niveau économique et financier. Ça a été un déploiement en quatre phases, en fait, de ce centre, de ce fameux terminal-là ici. Le terminal, en fait, puisqu'il est situé en territoire fédéral, il a été assujetti à un processus environnemental de participation citoyenne en vertu de la loi canadienne sur les évaluations environnementales. Donc, on l'appelle le PEPC, là, ce processus-là. Puis je tenais à vous en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment l'apport là, des géographes dans l'équipe a vraiment été super pertinente à ce projet-là parce que c'était vraiment une approche de gestion de risque adaptée en milieu portuaire et habité. Puis on a dû être assujetti à plusieurs étapes pour en fait être en mesure de recevoir les autorisations requises pour pouvoir construire le terminal. Donc l'environnement a vraiment été une pierre angulaire là, dans la construction de ce projet-là, puis vous allez le voir plus tard, là, comment la discipline, la géographie a pu être super pertinente pour obtenir ces dites autorisations-là. En fait, on a dû procéder à une évaluation des effets environnementaux qui avait pour objectif de prévoir les effets potentiels sur l'environnement des activités du terminal, puis pouvoir définir des mesures d'atténuation et pouvoir, dans le fond, ce qu'on devait inclure, c'était les effets environnementaux, leur importance, les impacts potentiels sur les citoyens. Donc, tu sais, la géographie qui est vraiment comme l'étude de l'être humain sur son territoire, c'est exactement ça ici. Commentaire du public lors d'une participation là, du public dans le projet, mesures d'atténuation, exigences du projet de suivi et de surveillance. Puis on a dû même modifier le projet dû aux conséquences sur l'environnement. Donc, comme vous voyez ici, en amont là, du début du projet, on a dû identifier c'était quoi, en fait, les différents zonages là, à proximité du projet qui était ici en rouge. Donc, c'est vraiment un projet qui s'est inséré dans un milieu qui est très habité, juste au pied des plaines d'Abraham, à côté, en fait, du boulevard Champlain, à côté du Vieux-Québec. Donc, ça a été super important de considérer plein d'éléments géographiques pour être en mesure de répondre aux attentes des différentes parties prenantes. Le mandat, en fait, on a dû impliquer une firme de consultants, le SNC-Lavalin, pour pouvoir nous aider dans l'élaboration de l'évaluation des effets environnementaux. Puis, dans le fond, les principaux effets environnementaux qui ont été évalués, c'était la qualité de l'air, le climat sonore puis la modification du paysage. Donc, parfait. Ici, en fait, au niveau du climat sonore, vous comprenez aussi qu'on a, dans le fond, ce qui a été développé, c'est vraiment comme une cartographie des... En fait, c'est vraiment comme une étude du climat sonore, donc pour voir si quels vont être les effets appréhendés en fait du projet sur l'environnement immédiat du site. Ça nous a permis d'établir plusieurs scénarios d'opération, puis de même mettre des mesures de contrôle du bruit, même en amont du projet, pour être sûr de ne pas nuire aux diverses activités là, qui entourent le site. On a aussi... produire une étude sur la qualité de l'air. Donc, c'est un peu le même genre, tu sais, c'est des simulations, des modélisations qui ont été faites à l'aide de logiciels là, sophistiqués.
pour pouvoir aussi montrer, pour pouvoir voir c'était quoi l'impact, en fait, sur la qualité de l'air des activités du projet quand ce sera en opération. Et pour pouvoir aussi voir si on était conforme à la réglementation, un peu comme l'étude du climat sonore. Comme Jean l'a mentionné aussi, on a dû regarder ce qui est au niveau de la modification du paysage là, pour être pas sûr de ne pas créer une nouvelle nuisance. Donc, c'est des simulations qui ont été faites. On a même aussi présenté des mesures d'atténuation au projet au niveau de la qualité de l'air, climat sonore, l'aspect visuel puis le trafic routier. Donc, c'est vraiment de comprendre comment le projet s'insère dans son espace pour être en mesure d'atténuer le plus possible les nuances là, appréhendées. Il y a une analyse aussi de risque là, qui a été faite pour s'assurer de minimiser le plus possible les accidents. En fait, dans un terminal, ben, dans un centre de grain ou un terminal, vu qu'on entrepose du grain, il y a de l'électricité statique qui peut se créer là, sur les différentes poussières de grain, puis ça peut entraîner des explosions, des incendies. Et puis, en fait, tout ça là, a été analysé en amont là, du projet. On a aussi même procédé à une analyse des risques sociaux. Dans le fond, c'est un mandat qui a été octroyé à une autre firme de consultants, mais que nous, on a supervisé à l'interne afin d'évaluer les risques sociaux liés à l'implantation du projet, proposer aussi des pistes de bonification pour minimiser leurs impacts, puis assurer une valeur sociale au projet, dans le fond. Et puis, ce qui nous a amené à présenter le projet dans les consultations publiques. Donc, toute l'espèce de science... La géographie aussi comme science sociale, là, ça a été super pertinent ici pour être en mesure de bien vulgariser l'information, expliquer aux gens les tenants et aboutissants de ce projet-là, les avantages, les potentielles nuisances. On les a impliqués aussi dans la bonification du projet. Fait que ça a été très intéressant aussi. Là, jusqu'à ce jour, en fait, ce projet-là est maintenant en opération. On a connu certaines petites problématiques, là, mais je vous dirais que ça a été hyper pertinent là, pour les géographes de l'équipe de participer à ce projet-là parce que c'était un projet très structurant et intégrateur de tous les pans de la discipline de la géographie. Donc, ici, ben, tu sais, géographie et environnement, pour moi, c'est deux disciplines qui se complètent, mais qui sont aussi différentes. Pour moi, la géographie, c'est probablement la discipline la plus complète pour appréhender et comprendre le rapport espace-société. C'est vraiment une discipline carrefour qui peut, depuis longtemps, réunir des informations multisources, les colliger de telle sorte qu'il est plus facile de comprendre des situations, des enjeux complexes. Puis en environnement, en fait, quand on travaille dans le milieu de l'environnement, on fait face à plein de situations complexes parce qu'une problématique de contamination va certes impacter les sols, les eaux souterraines, mais après ça peut impacter les prises d'eau potable de la population. Nous, on travaille beaucoup en milieu rural, donc ça, c'est super important de comprendre ça aussi. Puis ça s'applique pertinemment aux problématiques environnementales qui impactent les sociétés à différentes échelles. Puis pour moi, la géographie, c'est vraiment une discipline holistique là, dans son approche versus les disciplines qui sont plus spécialisées. Comme maintenant, l'environnement est devenu une science, là. On en parle beaucoup, la géologie, la biologie puis la chimie, mais je pense que la force de la géographie, c'est d'être très holistique et de ne pas nécessairement être spécialisé sur un seul sujet, mais bien comme de toucher à plein de sujets différents. Donc, ça, je pense que c'est super pertinent là, à ce sens-là. Puis, je le sais qu'à l'interne, dans notre équipe, avec les collègues avec qui je travaille, on a développé, même ceux qui ne sont pas géographes de formation, ont quand même développé vraiment plusieurs atouts liés à la discipline de la géographie pour être en mesure d'effectuer les différents mandats. Puis, ben, en conclusion, en fait, il y a plein de possibilités d'emploi super intéressantes là, et nombreuses pour les géographes dans le contexte économique actuel. Il y a plein de stages de disponibles. On peut travailler aussi au sein de services conseils en entreprise, un peu comme moi ou comme même les collègues de Jean chez Hydro-Québec. On peut travailler aussi pour des firmes de consultants. Nous, on engage plein de firmes de consultants pour nous offrir le support nécessaire dans la réalisation de différents projets parce que nous, justement, on est des spécialistes en environnement, mais de plein de disciplines différentes. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Il y a aussi beaucoup d'emplois au sein des autorités gouvernementales et publiques. C'est super important aussi de continuer la formation continue puis le perfectionnement pour être en mesure de, tu sais, en tant que bon géographe. Est-ce que la maîtrise est une obligation? Je ne pense pas. Par contre, il y a plusieurs pans, la géographie, autant l'aménagement du territoire, la géographie plus sociale, la géographie de la santé, mais
il y a plein de différentes différents détours qu'on peut prendre, mais je pense que la formation continue puis le perfectionnement, c'est super important. Aussi, ben, si on veut être un bon géographe en entreprise, il faut avoir le sens des résultats, être créatif, débrouillard, autonome et surtout, évidemment, pour travailler dans le milieu de l'environnement optimiste, parce que des fois, c'est un petit peu fataliste là, le milieu dans lequel on travaille, mais je pense que notre optimisme nous permet de réaliser de grandes choses au sein des entreprises. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous communiquer.